Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trinity Trigger. Nouvel épisode parce que c'est un jeu qu'on a déjà exploré en playthrough, hein, l'épisode précédent de la même playlist. Était un épisode, si je me trompe pas, que j'ai qualifié d'épisode final parce qu'on y a terminé la campagne principale. Et on y a vu les crédits. Il est temps désormais de s'intéresser pour la première fois en vidéo au contenu post-crédit de ce jeu. Du coup, commençons, mais en même temps, continuons. Niveau énergie, ça c'est bas là, mais j'y crois à mort. Donc on est sur le spawn au sein de Woodroost. Après tous les événements qu'on a connus dans l'épisode précédent, l'inventaire a l'air ok tiers. Magnifique. Avant de s'intéresser notamment à toutes nos joyeuses quêtes annexes qui nous attendent, remarque, il y en a une à Desperacia aussi, mais dans la ville, d'accord. On va faire un petit truc, c'est quelque chose que j'ai lu vite fait, je ne l'ai pas vérifié plus que ça, donc j'espère que je ne nous fais pas perdre de temps pour rien. Mais, la rumeur veut que si nous nous dirigeons avec une démarche on ne peut plus assurer, en direction de l'endroit où nous avons affronté le boss de fin du jeu classique, on devrait pouvoir y trouver quelque chose d'intéressant. À savoir une manatite. Et autant je me suis pas amusé à farmer tous les gingembres, des panneaux d'affichage, attention là, pour récupérer des manatites S+, machin. Autant, je dois bien admettre que si je peux avoir une petite manatite cadeau, juste pour avoir pris le temps de me déplacer comme ça, là. Moi, j'achète. Hein. Voilà. La manatite d'Igment, donc voilà, une fois que vous avez battu Igment, hein, donc par extension vous avez terminé la campagne principale, vous pouvez avoir accès à cette manatite là qui a un plus 100% d'attaque. C'est pas rien, vraiment c'est pour votre arme préférée, hein, dans l'idée. Sur quoi je vais mettre ça? J'hésite entre l'épée et le... les gants. Je dois admettre que les gants, c'est quand même bien cool aussi. Pour juste enchaîner encore et encore et encore lorsqu'on est sous aura. Mais bon. Non, il va pour faire le trajet retour, hein. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est quand même un plus 100% d'attaque, c'est non négligeable. Et c'est du trajet en pure ligne droite, hein. Donc ça va. Presque, j'imagine. Aïe. Oh là, bon, là, bon, bon, bon. On est sur du 1200 de dégâts de base. Un plaisir. Ok. Et après, maintenant, on a plusieurs joyeusetés, hein, ici et là. Allons du côté de Senheim. Pour commencer. On a une quête ici. Ici, on a une quête aussi. Bon.
commencer par celle qu'il y a là. Prends ça. Prends quoi? Tu as une nouvelle piste ou un truc du genre? Clairement, oui. Quelqu'un a trouvé une entrée vers les profondeurs du labyrinthe de la mer de sable. J'ai entendu dire qu'un tunnel était connecté au labyrinthe de la mer de sable. Une caverne qui serait bloquée dans les profondeurs du labyrinthe depuis à peu près 50 ans, c'est ça? Et attends, le meilleur, ça reste que les Manacom récoltés de là-bas trouvent encore leur manière d'atteindre le marché. Des gens ont spéculé à propos d'un chemin secret vers les profondeurs depuis, depuis toujours. J'adorerais avoir l'occasion de mettre mes mains sur quelques Sardonyx. Je veux y aller immédiatement. Non, et si tu venais à te mettre en danger à nouveau? Qui en a quelque chose à faire? Plus grand est le risque, plus grand est la récompense. Je connais ce regard. Elle est clairement prête à le faire. Très bien. Mais dans ce cas, nous venons avec toi. Vraiment? T'es la meilleure, Elise. Merci beaucoup. Alors. C'est vrai qu'il y avait une porte, si je me souviens bien, qui était au niveau du labyrinthe de la mer de sable, qui était bloquée à l'époque. Labyrinthe de la mer de sable, ça doit être juste au sud d'ici au final. Hein. Ah mais il y a un téléporteur là-bas. Tout bonnement là-bas. Je vais quand même sauvegarder parce que j'ai récupéré mon... La manatite plus 100% de dégâts là. Toutes les portes qui étaient bloquées jusqu'à présent, elles étaient pour le post-crédit, j'ai l'impression. Et ça, la joyeuseté. Et d'un coup, les monstres ne sont pas au même niveau. Ça charge sévère. De la bénitoite. Il y a un accès ici aussi. Est-ce que j'ai coupé le piège qu'il y avait ici? Oui, donc autant faire la map. Avant de passer à la suivante. Le Péridot. Le Joyous Stem. Ok, ça va, c'est choupi. Attaque.
Oh, une recette. Excellent. Les bonnes recettes. Bon, un objectif, c'est de trouver des recettes de rang 5 pour des manatites très génériques, très utiles. Hein. Augmentation de dégâts, augmentation de vie, armure. Peut-être la manatite qui empêche même de prendre des dégâts, ça peut être intéressant. Oh. Il s'est fait, étourdir d'une manière ou d'une autre. Okay. Moi je l'attendais de l'autre côté pour lui mettre des rousses quand il arrive. Visiblement il était pas chaud. Oh la vache, trois chemins là-bas. C'est là le vrai labyrinthe quoi au final. Oui, c'est fantôme. Peine assez, j'en ai déjà trop. On retient que je peux pas avoir tous les coffres ici. Ah, il y a un accès, mais c'est bloqué, d'accord. Et on peut pas tout faire d'un coup. Ah, il est au pire endroit, lui. Il est tout au milieu. C'est bientôt passé. Okay. Et c'est vrai que j'ai cette petite joyeuseté pour les boss, mais en dehors des boss, ça sert pas vraiment. Okay.
Bon, au final, je joue aussi vite avec, avec l'épée qui est combattante. C'est bon, j'ai tout pris. Et les gars, regardez donc ça. Il y a quelque chose dans les murs, je pense que c'est le sardonyx que Lime souhaitait. Est-ce possible que ce soit un arma qui se soit effondré? Je sais que ça existe, mais... Bien, je pense que ça expliquerait la raison pour laquelle le sardonyx est si rare. Il est temps de se mettre à creuser. Zantis. Oh, c'est des serpents royaux, ils ont des petites couronnes. Ah, est-ce qu'on ne peut pas juste s'en sortir une fois tranquillement, juste une fois? Occupons-nous deux. Oh, ça fait mal. Ça fait joyeusement très très mal. Shortcut ici. Shortcut comme ça. Okay. Plus qu'un serpent. Ouf. Mince, je suis stun aussi. Ok. Voilà le sardonyx que Lime souhaitait. Ramenons-le. Ébahissons. Vous avez des dégâts, les bougres. Hein. Pourquoi, du coup, on n'a absolument pas ouvert l'accès à toutes les autres portes qui étaient là-bas? Donc, on peut aller encore plus profondément avec une autre quête, probablement. Une joyeuseté comme ça. Parce que là, j'ai fouillé ce que je pouvais, je pense. Ah, c'est vrai que j'ai utilisé des panacées, j'aurais peut-être pu ouvrir le dernier coffre. Pas bien grave. Je sais plus combien il y en avait dans le gros paquet.
Alors. Au final, ça aurait été plus rapide pour moi de juste aller dans le labyrinthe depuis la ville hein, que d'avoir fait la TP ailleurs. Hein. Vous êtes de retour, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez récupéré le Sardonyx? Eh bien, nous l'avons trouvé. Est-ce que c'est ce que tu voulais? Ah oui, c'est tout à fait ça. Alors regardez comme ça brille. Mais c'était pas du Manacom, non? Tu vas l'utiliser pour quoi? Bah, mon arme. Ton arme? Ah, vous n'avez pas entendu ça? Voilà votre récompense. Elle veut devenir guerrière? Elle veut s'aventurer toute seule maintenant? Et maintenant, je vais partir à l'atelier de Stahl. N'hésitez pas à y aller si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il est temps d'être occupé, yahoo! Mais attends, Lime! On peut plus l'arrêter. Les recettes, d'accord, magnifique. Merci beaucoup. C'est par ici. Pour le magasin, je crois. Oui. Oh, mais il y a plein de joyeusetés ici. Voilà, les bonnes recettes. Je peux faire des méga potions, je peux faire des full potions, mais il me faut un objet apparemment pas encore très accessible. Ok. Petit tour à l'auberge. Petite sauvegarde et puis on va aller prendre la quête suivante. Par ici. Ah, mais il y en a deux! Il y en a deux. Ah, est-ce que vous n'êtes pas les gars qui avaient exploré absolument tous les armes qui sont présents sur cette terre? Ah, c'est nous? Pourquoi vous posez la question? Oh, je le savais. J'ai une requête qui devrait être plutôt facile pour vous autres. Eh bien, écoutons donc. Eh bien, il y a une nouvelle entrée d'Arma qui est apparue. Mon pote était à l'intérieur. Enfin, qui est parti à l'intérieur, n'est pas encore revenu. Et ça fait des jours qu'il est parti. Maintenant, je suis carrément inquiet. Et pour une bonne raison. Tiens, nous devons les retrouver. Oui. Et quel est le nom de ton ami? Est-ce que tu peux nous donner une piste? Merci beaucoup. Il s'appelle David. Et il est dans l'interrogatoire. Compris. Eh bien, laisse-nous faire. L'interrogatoire, oui, il est parti loin. C'est l'arma qui est sous l'eau. En green green. Ah, il y aurait équipé la Kate. D'ailleurs, qui était être là-dedans. Ils ont quand même le drain. Ils ont quand même le drain, mais je vais leur mettre quand même un truc de régène classique là. Si on est contre un boss et que c'est un petit peu lent, on remettra de l'anti-bouclier. C'est à Green Grid. Ah oui, mince, j'ai même pas équipé la K du coup. Hop. Un temple ancien. Bien, Green Grid. Alors, peut-être faire une petite sauvegarde ici aussi, maintenant qu'on est sur place. Une nouvelle entrée, il a dit. Je vais être au B5 du coup. Il y avait un truc derrière. Ah,
où est-ce qu'est donc ce gars qu'il faut que nous aidions? Aidez-moi! Est-ce que vous avez entendu une voix à l'instant? Je pense pas. Quelqu'un à l'aide! Oh, là! Ah oui! Ça vient de l'autre côté de ce mur. Une porte cachée. Bigre! Oh, vraiment les dernières phrases qu'il a pu prononcer. Regardez, est-ce qu'il est blessé? Est-ce que ça va? Ah, plus ou moins. David, je présume. Oui, tout à fait, mais comment est-ce que vous connaissez mon nom? C'est l'un de vos amis qui nous a demandé d'aller vous chercher. Vous voulez dire Liam? Oh, que les dieux soient loués. Et merci. Je voulais explorer l'interrogateur, mais je me suis retrouvé piégé ici. Est-ce que vous êtes en suffisamment bon état pour pouvoir rentrer chez vous? Oui, oui, je vais m'en sortir. Ah, dites-moi, est-ce que vous êtes également en scavenger? Bien sûr. Alors, vous devez être l'expert dont tout le monde s'est mis à parler. On a une réputation. Il y a une sorte de contraption, je sais pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose dans ce courant là-bas, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Tiens, allons mener l'enquête. Oui. Je vais retourner du côté de Liam. N'hésitez pas à revenir me voir après que vous ayez exploré Senheim. Quoi Senheim? On n'est pas à Senheim là, on est dans l'interrogatoire. On est dans l'arma de Grimgrid. Pourquoi tu me parles de Senheim? Bien sûr, faites attention à vous. Ah, parce que c'est un portail. Ah. Qu'est-ce que... Semblerait que nous ayons une porte ici. Et c'est... un appareil qui permet de se téléporter à différents endroits. Vous pouvez parfois en trouver dans les vieilles ruines. Et par un coup du sort, celui-ci a l'air d'être fonctionnel. Est-ce qu'on peut deviner où est-ce qu'il va nous emmener? Pas tant qu'on ne l'aura pas utilisé, bien que généralement, il permet de se téléporter vers d'autres ruines. Est-ce qu'on peut faire un retour en un seul morceau, ou est-ce que je devrais m'inquiéter? Bien, tu peux simplement utiliser le portail auquel... Enfin, le portail qui est connecté à celui-ci, au niveau de ta destination, et ça te permettra de revenir sans aucun souci. Alors tout devrait bien se passer, mais je vais laisser Sian décider de quoi faire. Allez, on va sans doute se retrouver du coup avec le portail de Senheim pour le courant qui était désactivé au désert peut-être. Près du mec qui fait son chant. Un ancien temple. Ok. Ok, bon, plutôt étonnant hein, comme layout. On va dire oui. Un hôtel? Et regardez par ici. Les Varna ont dû être les personnes qui ont fait ce joyeux petit monument à la magie. Comment est-ce que tu peux le deviner? Ce peuple a prospéré grâce à ses arts magiques. Cette chose est un exemple de ce qu'ils ont réussi à accomplir. Supposément, nous n'aurions pas eu de manatite actuellement sans eux. Vraiment? Eh bien, on en apprend tous les jours. Les Varna ont vécu pendant très longtemps, mais pas un seul n'existe aujourd'hui. Les rumeurs veulent qu'ils aient arrêté d'avoir des enfants. Mais je ne connais pas les détails. Il n'a pas l'air brisé, c'est plutôt rare d'en trouver un en aussi bon état. Est-ce que c'est un altar? Il n'a pas l'air exactement d'être comme ceux qu'on a déjà rencontrés, mais tout de même. Tu as raison. Attendez, je peux sentir quelque chose. Ah! Les intrus!
laisser quitter plutôt cet endroit immédiatement, n'allez pas désacraliser ce qui est nôtre. L'objet que vous recherchez est une incarnation de l'innovation des Varnins. Si vous venez à rester, vous devrez alors périr. Il semblerait qu'il soit en colère. Ah, tu penses? Préparez-vous à vous battre. Il aime pas les arcs et les épées, c'est magnifique. Et il empoisonne, c'est magnifique. On est assez lent. Donc on va repartir sur les Breakstone. Recharge. Game. Je vais pas mettre un antidote sur Zantis vu que de toute façon il a un poison. Voilà, maintenant je peux y mettre. Ok. On a eu du bol, il aimait pas les arcs et les épées. J'ai pas eu besoin de déplacer trop de manatites. Défense au poison. Recette 5. Et j'ai eu un succès. Il y aurait une arme jusqu'à sa forme finale. Ah, j'imagine que c'est ce qui va se passer après, grâce à l'hôtel qu'on a trouvé. Ils se battent encore pour protéger l'héritage de leur maître disparu depuis longtemps. Laura me dit que nous sommes dans un arma. Est-ce que cet appareil est connecté à un altar? Je me le demande. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que les Varnins aient construit des altars à l'intérieur des armas? Tu veux dire, afin de pouvoir s'attirer la puissance de l'arma? Ça m'a l'air tout à fait plausible. Hey, est-ce qu'on pourrait garder cela secret? Je ne souhaite pas que cela tombe entre de mauvaises mains. Oui, je pense que c'est l'option la plus maligne. Mais là maintenant, tout de suite, c'est entre nos mains, alors utilisons-le. Tellement la base de... Non mais là, vraiment, c'est un gros risque que ça tombe entre de mauvaises mains. Gardons ça secret. Bon, nous on y a accès, là, maintenant tout de suite, par un coup du sort, hein, alors profitons-en. voilà qui est depuis le Vislar, Ellie, j'apprécie. Et moi qui pensais que tu étais plutôt du genre à faire des leçons. Eh bien, regarde, nous avons fait tout ce chemin, je pense que nous méritons une petite récompense. Oui. Et quelle partie de tout cela est petit? Très bien, une grosse récompense. On a mérité cela et bien plus. Dans tous les cas, je vais commencer le rituel. Est-ce que tu es prêt, Oiz? Bien sûr. Est-ce qu'elle va encore changer de forme?
Est-ce qu'on va encore évoluer? Le rêve éveillé de Oiz a été amélioré. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais que j'ai gagné un nouveau pouvoir. Elise, s'il te plaît, utilise-le avec sagesse. Ne t'inquiète pas, j'en ferai une bonne utilisation. Bien, si c'est tout, retournons donc à Sanheim pour aller voir, si David a réussi à revenir sain et sauf. Oui. Donc c'est quoi le rêve éveillé? Ici. Je pensais le trouver quelque part. Je sais pas ce que c'est. Qu'une sorte d'idée. Mais très bien. on va dire oui. C'est sans doute très bien. Je suis en train de me dire, pour peut-être éviter d'avoir à changer les manettes à chaque fois. Ça, ce sera mon arme de boss, et puis j'en donne une autre arme pour se battre. Donc toi, tu as passé là-dessus. Toi, tu as passé là-dessus. Toi, tu peux passer là-dessus. T'as des manatites de soins là-dedans. Non, il est en break aussi. Donc lui, je le mets... Bon, HP absorbeur. Et puis voilà. Ah oui, d'accord, il y avait d'autres machins, mais lui c'est le seul qui est vraiment allumé. D'accord. Ils sont tous de l'élément eau. Hein. Bon, en même temps, on est un peu dans l'altar. Hein. Le plus élément eau possible imaginable. Bip bip bip. C'est celui-là? Non, c'est celui en dessous, je crois. Je sais pas, je sais plus. On va voir. Non, c'est celui-là. Le B1. Ok, on peut retourner à Sanheim. Au niveau du bar. Eh bien, c'est vous autres. Merci beaucoup d'avoir sauvé David. Je pars du principe qu'il a réussi à revenir et qu'il va bien. Nous avons traité ses blessures. Et je suis sûr qu'il va s'en sortir. Je suis vraiment ravi d'entendre ça. Permettez-moi de vous remercier pour lui également. S'il vous plaît, acceptez donc ce témoignage de notre gratitude. Merci. Dites simplement à David d'être plus prudent à l'avenir lorsqu'il partira en voyage dans les armes. Merci beaucoup. Eh bien, si ce n'est patient. Ah, est-ce que nous sommes déjà rencontrés? Ah, j'ai eu l'occasion de jeter un œil sur toi. Non, c'est plutôt... Je supervise les scavengers de cette ville. J'ai entendu dire que tu avais réussi à passer les épreuves de l'index. Laisse-moi deviner. Des étrangers comme nous n'ont pas le droit de faire ça. Ah bien, je dois l'admettre que ça aurait été plus sympa de vous avoir dans notre équipe. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis là. Alors pourquoi êtes-vous là? Nous avons un petit souci au niveau de l'arma et je pourrais profiter de votre aide pour sûr. Nous avons trouvé les entrées du Médus, du Cartus et de l'Ultimus profondément au sein du labyrinthe de la mer de sable. Ah, c'est ça les trois portes. Mais trois statues de dieux bloquent le chemin, alors nous ne pouvons même pas nous en approcher. Vous voulez dire...
Des Fierce Trinity. Ah oui, on en a déjà combattu une dans l'histoire principale. Oui. Et qui s'était transformée en chien. J'aimerais que vous complétiez leurs épreuves, exactement comme vous l'avez fait avec l'index. Une fois que vous l'aurez fait, vous serez libre d'explorer l'arma autant que vous le souhaitez. Quel scavenger, pour dire non à cela. Ça va. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous allez sans doute vouloir commencer avec le Medius. Et pourquoi celui-là? Eh bien, vous devez leur faire face dans un certain ordre. C'est toute une affaire. Vraiment? Oui. Jusqu'à ce que vous ayez battu... Enfin, tant que vous n'aurez pas battu, plutôt, la statue du Medius, la prochaine ne vous donnera même pas l'heure de la journée. Dans tous les cas, bonne chance. Les trois doigts. Les trois doigts. Ah, c'est pour attaque rang 5. HP booster rang 5 et défense rang 5, c'est que des très bonnes recettes que je vais sans aucun doute vouloir. Il y aura une autre quête ici aussi, pour savoir. L'inventaire, comment on se situe au niveau de l'inventaire? Est-ce qu'on va bien? J'ai l'impression qu'on va globalement bien, juste utiliser quelques antidotes, mais absolument pas la fin du monde. Niveau vie, on va bien aussi, on va juste faire une petite sauvegarde comme ça. Oui, j'ai oublié de donner les points de trigger. Les TP. Pas pour moi. Ah, c'est après. On va faire l'épisode et pire. Oula. Oh, j'ai réussi à prendre deux fois son dash, tiens. Un plaisir. Pourquoi j'avais vraiment envie qu'il me fonce dessus. On commence par le chemin de droite. Ok, comme ça. On les pousse. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a des pièges. Il faut redésactiver les pièges, autant pour moi. J'ai pas été malin. Ah, c'est de la panacée. Oui, moi j'ai juste foncé dans le piège, quoi. Un plaisir. Enfin, ça. Ok, le troisième doigt. Premier doigt de cette quête-là, mais troisième doigt dans la main. Velocitas le violent. Si Impetras de l'index gouverne la puissance, Velocitas gouverne la rapidité. La rapidité ? Il semble encore plus puissant qu'Impetras. Bon, épreuve vous attend. Vous qui convoitez la volonté divine, ou la puissance divine, le pouvoir et le droit du digne, je vais désormais juger si vous l'êtes. Ah ! Hey, est-ce que ça veut dire que c'est pour moi là? En effet, sois sur tes gardes, Elise. Très bien. Je vais lui montrer ce que je sais faire. Allez, on va diriger que Elise. Ah non, pas Elise. Alors, on va faire ça. Toi, tu vas repasser là-dessus.
Voilà. Les armes anti-boss. Donc il n'y a pas une préférence particulière en tout cas. Gagnez presque. C'est tout, on a pu se soigner au passage, enfin les porteurs d'arc en tout cas. Moi je peux mettre des dégâts. Cher. Ça remplit, ça remplit. Ah, ils aiment bien la triple poussée vers l'arrière comme ça. Ils ont utilisé quelques popos, mais ça va, ça passe. Oh, très très bon joyau ça. Vous en êtes bien sorti, invocateur de trigger, avancez et recherchez le Quartus. Super, deux épreuves de fête. Maintenant nous pouvons explorer le Médus. Je te parie qu'il y a un altar dans les environs. Nous nous occuperons ensuite de la statue du Quartus. Commencez une nouvelle épreuve où l'exploration des décisions et encore des décisions. Aucune des options n'est une petite marche tranquille. Et si nous explorions sur le chemin vers la prochaine statue au Quartus? Comment ça? Soit tu explores, soit tu fais le donjon, soit tu fais l'entrée de le donjon, quoi, faut choisir. Bon, normalement pour la quête on est censé je pense enchaîner les statues, mais bienvenue dans le Médus, brave héros. Enfin, je vais faire le Médus d'abord. Les monstres ici vous aideront à devenir plus fort. Trop bien. Ah oui, changer d'arme. C'était quoi lui? C'était ça. Ok. Petit flambi quand même. Voilà. Un petit soin tout de même. Voilà. Cool. Alors,
Tac tac tac. Finissez-le. Par pitié, finissez-le. Paris Thunder. Pardon pour le coup sur le bureau. Je peux gérer pas grand chose, hein. Alors, on sait que c'est tous des mimiques. Pouf. どうやって戦う？
Tout le monde se soigne un peu. Ok, on va commencer par faire comme ça. Ok. Alors, tac 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 tac. Un monde de mimiques. Pour Valise qui prend strictement tout. Ok, je vois pas d'escalier pour le coup ici. Oh vache, bonjour. Ok, ça tape de loin. Cool. Ok. On est dans l'arène, super. Qu'est-ce que ça fait? T'as plus de petites potions. Tiens, on le bout. J'ai déjà fait le chemin du bas. Yeah, これで決める。打ち抜け。やっせ。ここね。打ち抜け。
Je vais avancer le coffre vers Elise à chaque fois, un peu. Je ne peux pas en prendre davantage. Même ça, je suis bloqué. Il y a un nombre maximum de manatites qu'on peut transporter. 30 pages. 30 pages, c'est le maximum. Ah, mais je peux discard. Ok, d'accord. Bon, j'aurais préféré les vendre, mais bon. Quand je fais discard. Ah, mais après, il faut que je fasse. Ah. Oui, d'accord. On met les petites coches pour pouvoir discard. D'accord. Après, on fait ça. On enlève ça. D'accord. Il faudra que je fasse un petit peu de. De gestion de manatite à un moment donné, quand même. Quoi. Oh. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'au final, on n'a pas d'altar, mais. Avec les différents lots, on va gagner genre des recettes, des trucs comme ça. Intéressant. Ah, j'avais pas fait cette salle. Je crois que j'ai fini l'étage, mais pas du tout. Au final, pas du tout. On va quand même se soigner un coup. J'ai ouvert l'autre coffre en même temps, mais j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, du coup. C'était au milieu des coups que j'ai donné, un des appuis sur le bouton A permet d'ouvrir le coffre. C'est la vie. Alors, il faut faire le tour comme ça. Bon bah on a fait le majeur. Hein. Enfin le reste de la quête dans le prochain épisode, je pense. Cet épisode-là est un petit peu plus court. Ça reste quand même une petite heure de contenu. Ah non, c'était pas par ici. Ça reste quand même une heure de contenu et puis le début de notre aventure dans le post-crédit. J'aurais découvert que j'ai une limite sur le nombre de manatites que je peux transporter aussi, ce qui est d'autant plus encourageant sur le fait de faire du tri. Pour les temps que ça prend du temps. Alors, j'adorerais aller en combat pour faire un petit peu d'XP en plus. Il faut d'ailleurs que je prenne un peu l'habitude aussi, maintenant que je peux les crafter, d'utiliser les boosts d'expérience, hein, y a pas de raison. Pas de raison de ne pas le faire, on a fait le Medius. Bravo. On va retourner à Senheim pour le moment. Et on va faire déjà la base de la base, à savoir un petit tour à l'auberge. Se reposer. En tout cas, les manatites, on va pouvoir en crafter des super sympas une fois que cette quête-là des trois doigts sera faite. Parce que c'est quand même trois belles recettes de grade 5 là. Bonjour. Ou ce sera pour plus tard. Enchanté. Alors. Succès, ok. Ok, monte à 8. Monte à 9. Monte à 10. Ah, je peux transporter pardon, que 3 maximum des full potions. Ok, ok. Ok,
Putain, on va pouvoir crafter tout et n'importe quoi là. Ok. Ah oui, j'ai les arcanes extracts maintenant, mais il faut des Wicked Soul que je n'ai pas encore. En tout cas, au moins j'ai la recette. Allez, il faut des Death Branch, mais maintenant j'en ai 3. Je peux quand même amuser à les utiliser pour, notamment pour des donjons ou pour des boss peut-être. Choper un petit boost d'XP. Est-ce qu'on est quel niveau là? 70. Jusqu'à 99, j'imagine. C'était le niveau de Violette. Est-ce qu'ils vendent des nouvelles recettes? Mais oui. Ah, c'est des recettes de rang 4, bon, ça vaut ce que ça vaut du coup, mais... bon, un plaisir. Ici. Select multiple. Ah oui, d'accord, ici c'est pas possible, mais ici on peut faire select multiple, et c'est comme pour le discard. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. D'accord, les deux là c'est la même chose au final. Voilà. Ah oui, d'accord, par contre, si je me trompe de touche, ça s'en va. On en arrive au 3. Ouais, j'ai un beau boost qui m'attendra quand je ferai un peu d'organisation de manatite. Hein. Pour moi, je passe un peu vite dessus. Se libérer un minimum des pages. TP ça, d'accord. J'ai encore du niveau 2 que j'ai mis, quoi. Quelle vie. Je vais l'enlever complètement. Tout ce qui est basé sur du close call, j'y crois absolument pas en termes d'utilisation. Étrangement. Ça va avoir du A là, ça fait plaisir. Kelvy. Twin Star Vampire Stone. J'ai oublié que j'avais ça. Incroyable. On a un plus 60% sur la double lame quand même. Triangle. Y. Paf. C'est bon, c'est vendu? Oui, 12 pages au lieu de 30. C'est déjà plus bien. Ça me dégage déjà un petit peu 2-3 choses. Bon. Je vais pas faire le management tout de suite. La gestion des manatites. Je sais pas quand est-ce que ça viendra, mais oui, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse à l'occasion quand même. Mais je pense au moins attendre peut-être la fin de l'épisode prochain, qu'on ait les recettes sur des manatites rang 5 sympa là. Ça me paraît pas bête.
できることが増えたようですね。できることが増えたようですね。できることが増えたようです。この力、うまく使いこなしてください。 L'inventaire c'est fait, le soin c'est fait. Je pense que le plus simple c'est d'aller ici. Comme ça j'ai juste à aller vers le bas et ensuite passer au prochain chemin. Bon, on continuera du coup cette quête des trois doigts dans le prochain épisode, qui promet de nous offrir plein de recettes super sympas pour les manatites. Et ensuite, il faut que je vois justement pour la gestion des manatites, est-ce que je fais ça en vidéo ou pas, mais il y a des chances que je me dise que ça partira hors caméra. Mais vu que je déciderai ça au moment où je le ferai, inutile de faire tout un tas de plans de toute façon. On se retrouve pour la suite dès que possible, et comme à l'accoutumée d'ici là, portez-vous mieux. Des bisous, bye.